Hey yo, Menakama, c'est Nazaki Kantis. Comment allez-vous? Moi, ça va super. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un jeu. Et pas n'importe quel jeu. On va jouer à Fire Emblem Shadow Dragon. Donc, quel est ce jeu? Fire Emblem Shadow Dragon est un jeu Nintendo de la série Fire Emblem. Un jeu que j'ai déjà testé. Donc, pas sur la tablette, mais sur mon téléphone. Et on peut dire que le jeu, il vaut la peine d'y être joué. Hein. Donc là, on va faire un test. Après, ça dépendra de moi si je vais faire un let's play sur ça ou pas. Donc voilà, nous allons directement commencer. Bon, voilà, je vais appuyer sur OK. Donc j'espère que le son n'est pas trop fort. Je vais mettre là. Nouvelle partie. Alors, pour les amateurs, les ennemis sont jusqu'à 5 fois plus coriaces qu'en mode normal. Pas de problème que je joue là. On va mettre le mode normal. On va activer Didacticiel. Prologue. Il y a fort longtemps, Médus, roi du peuple dragon, conquit ce continent, inaugurant une ère de terreur et de désespoir pour tous les peuples. Toutefois, la tyrannie prit fin grâce à un miracle. Un jeune homme originaire d'Altair apparut, une lame divine à la main. Il affronta le dragon d'ombre et le terrassa. Pendant un certain temps, la paix régna à nouveau sur le monde. Cependant, un siècle plus tard, le dragon d'ombre réapparut. Il conclut une alliance avec un roi maléfique aux ambitions hégémoniques. Waouh, je connais pas ce nom. Ce mot, pardon. Ensemble, ils attaquèrent et défièrent les royaumes les uns après les autres. Une fois encore, les ténèbres menaçaient d'engloutir le continent. C'est au roi d'Altea, seul, descendant du héros pourfendeur de dragons, qu'il incomba de brandir l'épée divine pourra accomplir le destin de sa lignée. Son fils, le prince Mart, demeura au château avec sa mère, sa sœur aînée et une garnison envoyée par le voisin et allié d'Altair. Oui, si, garnison. Ainsi, l'enfant s'appliquait aussi bien à la plume qu'à l'épée, jusqu'au jour où... Prologue 1. Donc là, vous voyez qu'ils nous mettent bien dans l'ambiance, là. Ils nous mettent bien dans l'ambiance. Donc si vous n'avez pas compris, l'écran de gauche, c'est l'écran du haut. Et l'écran de droite, c'est l'écran du bas. Prince Mart, je ne vous ai pas réveillé. Je vous demande pardon, votre Altesse, mais la princesse vous demande. Oh, Leia marqué vous demande, mais on va pas faire chichi. Elys, est-ce qu'elle va bien? Oui, votre Altesse, mais elle parlait avec une certaine urgence. Et vous prie de la retrouver près du trône. Que se passe-t-il? Nos forces à gare, votre Altesse. On nous a reporté un incident, mais... Enfin, je n'ai pas été informé de tous les détails. Je vois. Merci, je vais faire vite. Ma sœur a demandé que je la retrouve dans la salle du trône. Un incident à gare. Si Elys a des nouvelles de père, j'espère qu'elles sont bonnes. Bonnes comme le KFC. Bon allez, tout au long du jeu, des didacticiels apparaîtront sur l'écran supérieur pour vous aider à jouer. Choisissez guide dans le menu de cartes pour revoir les didacticiels déjà vus. Donc, on va fermer avec R. Sélectionnez une case vide, ouais, ça on sait. Les icônes tactiles apparaissent. Donc là, si vous entendez la musique, on voit vraiment qu'elle est pesante. Genre, c'est pas une musique gentille, c'est vraiment une musique pesante. Bon allez, observons la carte. C'est juste un test. Donc le trône, il se trouve juste là. Là. Là, il y a la porte. Et nous sommes là. Ok, dirigeons-nous par ici. Donc, oui. Oh! Donc nous, on a une rapière et une épée. Ok. Par ici, c'est lui. C'est le prince Mart. Ils sont en rouge. Qui êtes-vous? Des soldats de garde, mon cher prince. À votre place, je serai raisonnable et je me rendrai sans faire l'histoire. Me rendre? C'est ridicule. Pourquoi devrais-je me rendre face aux soldats d'un royaume allié? Vous ne savez encore rien alors. Tant pis. Vous saurez tout bien assez tôt. Maintenant, vous allez déposer votre épée. C'est hors de question. Je suis le prince d'Altea. Je ne dépose pas les armes comme cela. Encore moins sur mes propres terres et dans mon propre château. Pour un gamin, vous savez parler. Comme vous voudrez. Si vous ne voulez pas déposer les armes, nous devrons simplement vous ôter la vie. Et la violence! Oh, la violence du truc!
Donc, si vous n'avez pas l'épée, est plus forte que la hache. Donc là, pour l'instant, on a un bon avantage. Et surtout, mais cette musique, elle est tellement pesante. On va se mettre là pour pas que le monsieur à la hache, là-bas, il nous voit. Enfin, il nous attaque. Alors, lui, il a combien de PV, lui? Oh, 14. C'est bon. Alors, la rapière va lui faire des dégâts. Par contre, que 28 d'utilisation. Je vais plutôt utiliser l'épée. Donc là, on voit bien qu'ils ont essayé de faire le petit truc 3D. On gagne le premier point d'XP. Ah non, il réussit quand même à nous avoir. Mais Marthe, 66% quoi, 66%. Et t'es pas bigle, Marthe, tu peux esquiver. Vos unités bleues, vous, unité bleue et l'ennemi, unité rouge, jouez à tour de rôle. Pour terminer votre tour, ouais, ça on sait. Vous avez suivi ma vidéo sur Fire Emblem Hero, enfin j'espère. Et voilà. Donc avec X, on active la zone de danger, la zone où il y a les méchants. Et oui. Ah bah non. Ah bah, je suis faible lance moi. C'est pas bon. Alors, je vais te mettre un petit coup de rapière. Non. Et puis aussi, ça marche, tiens. Eh ben, quand même, là, c'est du seul contre tous, là. Quoi, j'ai pas mis KO. Quoi? Il se laisse pas faire? Je vais lui montrer, moi. Non, le trône. Je dois me débarrasser de lui avant que ma soeur n'arrive. Ok. Ah oui, là, franchement, on prend masse dégâts. Si ça continue comme ça, ben, on ressortira pas indemne de ce combat. Mais bon, on vient de gagner notre niveau 2, c'est amplement suffisant. Donc toi, tu te mets sur le trône comme ça, sans pression. Non, mais toi, t'as vraiment des idées, toi. En plus, tu ne fais qu'un dégât avec ta tête, là. Ça part au véritable clash. Donc voilà, combat fini. Heureusement que t'as pas raté. Hein. Et on n'a plus qu'à se mettre sur le trône. Et nous avons fini. On va passer au chapitre suivant. Marthe, tout va bien? Ma sœur, que se passe-t-il? Il te faudrait être fort, Marthe. J'ai de sombres nouvelles. Père a été vaincu par l'alliance formée par Dogna et Grust. Grust ou Grust, je sais pas. Quoi? Non! Ségar, notre allié nous a trahis et a attaqué l'armée de Père par l'arrière. J'ignore s'il va bien. Les rapports de nos éclaireurs étaient contradictoires. Père, c'est impossible! En ce moment même, des soldats de guerre essaient de s'emparer de tout. Prise de panique, Mère et moi avons fui. Heureux désolé pour l'ellipse, donc je reprends. Donc sans faire exprès, j'ai passé l'autre passage, mais c'est pas grave. Marthe, écoute-moi attentivement. Tu dois fuir le château. Pars sans moi. Quoi? Il nous reste peu de soldats. C'est terrible, je le sais, mais le château est perdu. Il faut l'accepter. Je pars à la recherche de mère et je te rejoins. Je te rejoins. Merci le français. Et je te rejoins aussi vite que possible. Trouve Jagen et fuyez, loin d'ici. Compris? Très bien, mais promets-moi que nous reverrons très vite. Au revoir, Marthe. Puisses-tu jouir d'une longue vie? Oh, 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 toi, je sens que tu vas te sacrifier, toi. Je sens que tu vas te sacrifier. Oh, mais non, mais... J'aime pas les personnages qui se sacrifient. Et j'aime pas... Votre Altesse. Frey, Abel, vous êtes sans vie? Oui, Votre Altesse. La princesse Elise nous a ordonné d'assurer votre protection. Quant à Mr. Maldus, il a préféré rester à ses côtés. Votre Altesse, nous devons nous hâter. Mr. Jagen, enfin... Mais je sais pas comment dire son nom. Jagen, on va dire Jagen. Nous attend près de la porte. Ok, il y a plein de gardes qui arrivent de droite à gauche. Bon sang, c'est trop tard. Comment les soldats de guerre ont-ils pu arriver jusqu'ici? Jagen et les autres vont être pris au piège. Il faut prendre la porte et sécuriser les environs immédiatement.
Ok, c'est bon, là maintenant ce sont à 3v tous. Bon, au moins on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Bon. Excusez-moi, c'est sorti tout seul, mais bon. Allez, on va taper des gens. Alors, toi, Abel, tu vas lancer un petit javelot, comme ça. Et en plus de ça, tu attaques de... Et tu rates pas alors que ton attaque a 77% de chance de toucher. C'est excellent, mon petit, c'est excellent. Et inquiétez pas, je connais ma table des armes. Ouais, je dis pas table des types, je dis table des armes. Voilà, moi je suis un mec comme ça, moi. Je suis un mec qui respecte rien du tout. Sauf le poulet, bien sûr. Il n'y a que le poulet que je respecte. Bon. Alors, on pensait pouvoir passer sans se faire remarquer. Oh oh. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu le prince d'Altea. Écoutez-moi tous, il nous faut le prince, mort ou vif. Comme ça, on pourra se servir de lui pour mettre la main sur une jolie petite récompense. Espèce d'accro à l'argent, va. Toi, c'est que ça, toi. C'est que l'argent, toi. Ah, bah mince, il est Nash. Ah non, toi, t'attaques pas deux fois, toi. Choqué, déçu. Que se passe-t-il? Ils ont des archers. Nous devons prendre garde ou ils nous abattront à distance. Voilà. Tac, on va prendre l'épée plutôt pour le calmer. En plus, l'épée s'en sert bizarrement. Normalement, c'est comme ça, cac. Mais lui, non. Lui, la pointe. En fait, lui, il l'utilise comme une rapière. C'est ça que je voulais dire, voilà. Alors, je vais me servir de ma rapière. Ah non, toi, je vais pas te tuer. Alors, toi, tu le tues, non? Ah oui, toi, en plus, il te reste pas beaucoup de PV, toi. Et faut pas que tu meurs, hein. Tu meurs pas. Ah oui, 11 PV, c'est rien du tout. Bon, ça va, quand même. Ça va. Alors, toi, Marc, tu vas avancer. Genre, on est mode stratégique. Bon, mode stratégique, ouais. Peut-être. Oui, c'est bon, s'en fiche. Alors, que faisons-nous? Donc, toi... Non, je vais pas utiliser un poisson tout de suite. Je vais t'attaquer deux fois. Non, toi, t'as une lance. Ouais, t'as une lance, oui. Ok. Très bien. Là, je pense que la partie va se finir. Parce qu'on a gagné. Les deux données. Ils ont perdu. Les doigts dans la défaite, voilà. Et c'est bon, on passe au chapitre suivant. C'est bon. Jagen, c'est Jagen. Mais qu'est-ce qu'il est? Votre Altesse, je suis ravi de vous voir sain et sauf. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Nous venons sur le champ. Oh, Cain. Prince Mart, où êtes-vous? Votre Altesse, répondez-moi. Cain? Mais c'est Cain. Oui, je vais dire Cain. Je vais dire Cain comme ça. Désolé, je m'étais de dire tout seul, mais bon. Cain, tu devais être à gare. Pourquoi reviens-tu sans? Oh, ces blessures. Votre Altesse, c'est vraiment vous. Je craignais le pire, que ce message ne puisse être délivré. Dans cet état, comment tu peux rester à cheval? Il faut immédiatement soigner ses plaies. Non, Votre Altesse. Nous devons tout d'abord fuir. Sale gamin, va. T'abandonnes tes alliés, sale gamin, va. Blablabla. Voilà. Cain, je compte sur toi pour résister encore un peu avant de succomber. Mais what? Mais t'as vu combien il nous sort ça? What? Et il nous a sorti sa stène comme ça. Princesse Célis, l'ennemi est proche. Prévois à fuir. Non, Maelus. Maelidus, je reste ici. Vous restez ici? C'est de la folie! Trop de gens ont péri pour protéger Altea et son château. Je ne peux pas abandonner ce que tant de vies ont contribué à conserver. Père et mère ont disparu, alors c'est à moi qu'il revient de rester auprès du peuple d'Altea. D'ailleurs, en restant ici, je peux les occuper pendant votre fuite. C'est bien trop dangereux, faites vos préparatifs et... Maelus, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Pour l'autorité! S'il arrive quelque chose à Père, Marthe sera la dernière personne au monde digne de brandir Falcon. Je veux que tu le guides, Maelus, même lorsque nous autres ne le pourrons plus. Princesse, je ferai de mon mieux. Il nous reste peu de temps, pas Maelus.
Adieu. Ah là là, les gens qui se sacrifient, je peux tellement pas les sentir. Bon. Bon. Hop, 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 hop. C'est ici qu'on va s'arrêter. 16 minutes 48 de vidéo, c'est déjà beaucoup. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vidéo test de Fire Emblem Shadow Dragon. Opus qui est sorti en DS. J'ai déjà fait une sauvegarde d'état. Et donc, voilà. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à voir mes anciennes vidéos. Et voilà, quoi. C'est Dinozaki qui est à la prochaine. C'est bon. Waouh. Je trouve plus mes mots. Voilà. C'était Nazaki Kantis à l'appareil. Voilà, tu peux le dire. C'était Nazaki Kantis à l'appareil. Salut tout le monde!